5-3, YouTube, on est parti. On revient à une cinématique incroyable. Quoi deux. Et on a un problème. On a Ashley qui est full 1. Et bah, on va s'en occuper, quoi. On va récupérer la tête, hein. Parce que bon, c'est peut-être un peu l'objectif quand même depuis 5 putains de chapitres, quoi. De l'argent. Ah, il nous a laissé son argent. Oh le con. Laisser ses thunes. Alors, notre plan. Oh, lui, il est mort. À cause de cet agent, nous avons perdu le chef Mendes et Ramon. Nous allons quand même continuer comme prévu. J'avoue cependant que la perte de mes fidèles compagnons va légèrement perturber ma mission. Mais je dois continuer. Il ne va pas être facile de les remplacer, je vais devoir choisir soigneusement. Les Pelaglas prennent le contrôle du conscient de Lot. Si je choisis mal, ils risquent de me trahir. Mes hommes doivent me jurer fidélité. La trahison de Serra m'a donné une bonne leçon. Je ne commettrai pas deux fois la même erreur. L'erreur est grave. Je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. Sois pas sûr. Sois pas sûr, Michel. Bah, c'est bien. De toute façon, de la tunasse, on n'en a pas. Hein. Ouais. What's the news on our friend Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. J'attends. Je l'attends et je l'attends et je l'attends pleinement. Viens de prendre une bastos, mon gars. J'ai une cicatrice, hein. J'ai une cicatrice, un couteau. Je parle avec une voix rock. Grou, je suis le grand méchant. Exactement. Wow, 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 wow. Deux secondes. Je viens d'arriver là. Hein. J'ai plus de bastos parce que vous m'avez fait un challenge sur le. L'autoroute là. Je le mets tout de suite, hein. Un peu de bastos sur le flingue, on va se permettre. Mais il est où? Il est derrière la porte, le con. Paf, dégage. Gros naze. Il est derrière? Ah non, ils sont là. Oh, il en met deux. Il y en a mis deux. On va récupérer un maximum de balles pour les autres armes. Voilà. Oh, ça ramène pas grand chose. J'ai tenté. En vrai, vous voyez, c'est là où je suis content d'avoir quand même pris un bazooka. Et que j'ai amélioré cette arme. De l'outillage. Je vais reprendre ça, des balles cool, si c'est... Ouais, j'allais dire plus de 10, c'est bien. Ok. Derrière ça, il y a du monde. C'est une
prison ici ou comment ça se passe? Ah putain. Ouais, je vois. C'est pas là où on l'affronte. Je crois qu'on affronte l'autre par contre. Le prêtre avec son bâton de Cthulhu là. Oh, regardez cette salle. Ça, c'est boss ça. Oh là là. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? Mais si je l'ai fait. Ah si je l'ai fait. J'ai fait la QTE. Tricheur. Oh, du coup, on va se retaper ça à chaque fois. Oh, je me suis fait slasher comme une grosse merde. Si c'est un combat de QTE, ça va, c'est facile. Hein. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. Tu vois là. C'est quoi ça? Tout à l'heure, il ne m'a pas demandé ça. Enculé! Il ne demande pas les mêmes touches! Merci beaucoup, Pyrus, pour le follow, welcome à toi. Vous avez vu? Been a long time, comrade. Krauser. Mais oui, je suis nul parce que je connais pas la manette de la Xbox. 2 years ago, is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. En fait, je perds les 4 touches à chaque fois. What do you want? The sample settler developed, that's all. Oh, Gunblade, Cypher Squall. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. C'est vraiment un combat de QTE là. La bagarre là. Allez, chais. Ça c'est pour les deux coups que tu m'as mis avant. Oh, ce combat de QTE de merde. Aïe, mon fion. Ah oui, ça c'est à cause d'Umbrella. Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade. Ada. Bah oui, Ada. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Whoa, 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 tu parles pas comme ça. Hein. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Bon, ça y est, on a fini la QTE. GG. You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Il est peut-être pas humain, hein.
enjoy the reunion with your old friend? As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh. Enjoy the fun. Ah! Have fun. Have fun, il a dit. Ça, le clown, ouais, hit. Le fameux. Bah, Rocket, hein. S'il y a un problème, Rocket, hein. Parce que là, I don't have more bullet for him. For it, pardon. Parce que c'est cette chose. Bon, y a rien, pas d'objet, hein. On y va, hein, la bagarre. Bah attendez, on vient de là. Qu'on s'en branle. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Hop là. Bah Géronimo, hein. Je vais bien me bagarrer là. Je viens de bagarrer. Bon, ok. Attends. Plus un objet. Il brille, tu donnes de la thune. Oh putain. Je te dis, oh putain. Oh non! Je croirais dans le film. Oh putain de merde. Donc sérieusement là? On peut les péter ou pas? Juste comme ça. Hein. Bah non, ça a pas marché, je suis déjà stressé. Alors ça, c'est tellement repris dans le Resident Evil 1. C'est Locke. Oh merde. Ah ouais. Ah ouais. Ah moi, ça, tous les jours. C'est mon entraînement au quotidien, d'ailleurs. Au matin, je me réveille, puis je fais ça. Puis je vois si je peux vivre ou mourir, aujourd'hui. Bon, pour le moment, ça va, ça tient, depuis 32 ans. Hein ? Quoi ? Non mais... Oh ! C'est pour moi. Coiffure élégante. Examinar. Un objet unique au monde. Ça c'est au moins 100 000 balles. Si c'est pas 100 000 balles... Mais c'était marrant le petit... Sur le trône, c'est vachement cool. Mais je pense que c'est volontaire pour qu'on voit cet item. Je penserais peut-être pas à le look. Mais c'était rigolo. Comme ici, par exemple. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Parce que là, on n'a pas eu de boss. Et on est sur le dernier parti. Oh putain, la porte, elle est gigante. Salut, toi. C'est quoi? Mais moi, Glowis. Je viens de consigner ici mes observations pardon, sur les Plagas. Plagas ont trois catégories. 1. Comme nous l'avons vu précédemment, ils peuvent changer le comportement de leur hôte. 2. Ils sont des organismes sociaux. Ils sont sociables. Au lieu de vivre seuls, ils forment un groupe. On pense qu'ils possèdent une intelligence collective. Ce comportement est courant chez les insectes tels que les fourmis, les abeilles, mais rare chez les parasites. Les Plagas l'ont peut-être appris. J'essaie de déterminer cela en rapport à la première caractéristique. 3.
Plagas ont la faculté d'adaptation exceptionnelle. Ils peuvent vivre aux dépens des divers organismes en créant un environnement symbiotique. Grâce à cela et à leur comportement social, ils peuvent communiquer de manière intelligente d'un autre à l'autre, quel que soit l'organisme de l'autre. Je reconnais avec honte que ma fascination envers les Plagas, en y réfléchissant bien, m'a fait perdre de vue les objectifs de recherche menés par les Illuminados. Même en sachant que Sadler allait faire mauvais usage des résultats de ses expériences, je n'ai pas réussi à cesser mes travaux. Je suis donc responsable de la situation. Réussirai-je, seul, à contrecarrer leur plan? Ah, Loeth. On connaît un... Welcome. Loeth. Got some rare. What are you buying? Ah, il a des nouveaux trucs. Ah, c'est peut-être les évolutions de celui-là, encore plus haut, du coup. De toute façon, j'ai pas de thunes, hein, comme ça. What are you buying? C'est réglé. What are you selling? C'est 30% le gilet. Okay. Gilet qui fait pas partie de notre sphère. C'est plutôt pas mal. Il doit y avoir quelques balles ici. Plante rouge. Même pas une fucking balle. Là, ça veut clairement dire, le jeu te dit clairement, tu te démerdes. Ah mais non, on n'est pas encore au dernier chapitre. On est au 5-3. Il en reste encore au moins un après. Et les objets de soins sont là. Donc on a un rocket. Enfin, une rocket, pardon. Et quelques balles de droite à gauche, mais... rien de fifou, quoi. J'ai peur. Affrontons notre destin. Ça brille. C'est grand. C'est le vide. Ah, on va pas avoir une montada de ouf là à faire. Ça, c'est génialissime. Ah, ça me parle cet endroit. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Ouais. C'est le labyrinthe, c'est ça? C'est trompé de film? Ashley. What is that? Attends, mais le moyen il est où alors de l'ouvrir? Je comprends pas. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Faut tirer dans les trucs là? Ok, enfin, maintenant j'ai compris. Oh le bol. Oh et du coup ça m'a permis de faire la recharge rapide. Nice. Ah je me pose la question, c'est est-ce qu'on peut le buter? Oh c'est timé.
Ah, c'est timé. Ok, c'est des parties qui sont timées. Oh. Heureusement. J'étais en train de stresser. Attends. Bonjour. Je me demande si on peut la buter, hein. Vraiment. J'ai pas envie de niquer une balle de... Enfin, une roquette là-dedans. Oh, elle fait mal par contre. Ouais, je pense aussi que ça doit être une vulgaire mort à la con qu'elle doit y avoir. Super, je m'étais planté. Par contre, elle pique à mort. C'est où? Je me suis planté. Adieu. Adieu. Sens d'orientation .0.00.00. Bon, au moins j'ai un peu les lights. Je vois un peu où est-ce qu'elles sont. Mais oh mon dieu, quel enfer. Boss de merde ça. Ah, en vrai, est-ce qu'on le roquette pas? Et comme ça on voit si ça marche ou pas. En vrai. Mais regardez. Oh, la porte a été si proche en plus. Mais quel gros naze. Oh, on y était. Hein. Ah ouais. STMR de Noctis là. Morphieux. Un petit jump dans sa bouche là. Bon, ça on connaît. Ouah, mais ça va, et oh, triche là. La musique qui veut pas du tout te faire stresser. Pas le genre. Hein. Donc c'est peut-être là où le pompe c'est pas mal s'il tombe. Chais. J'avais le temps. Hein. C'est vraiment un sac. Hein. J'avais large le temps. Juste prendre ça. Coucou. Ah, attendez. C'est là le problème.
Ça, ce serait bien que ce soit le dernier à activer. Comme ça, je pars par là. Tchèque. On sait qu'après ce sera tout droit. Ok. Quoi? Même. Donc ça, ce sera tout droit et après on y va. Okay. GG à toi, Mr. FF. Pour cette fameuse. Hein. Il faut toujours nous la mettre. Il ne l'aura pas. Alors. Ah! Ok, donc ça c'est la fin. C'est peut-être le moment de faire ça. Il y a un minigame du chat et la souris, c'est ça? On est d'accord que c'est le dernier, ça? T'as motivé? Bah, félicitations. Geronimo! Au revoir. Oh. Merci. Oh. Oh, je revis. Je revis à foison. Ah, pas eu de balle de ça. Ah, je revis. Merci. Ok. Bon, ça va en fait. Quand tu connais les endroits où il faut shooter et tout ça, je pense que... Oh merde. Ah, vous étiez sûr là qu'on tuait qu'un côté? Pas si sûr moi. Comme ça, m'a l'air d'être bien vivant, hein. Après, je dis ça, je dis rien. Oh, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Ah, attendez, je comprends pas, elle est décédée.
Raté. Ah non, 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 je ferai pas autant que vous, moi. Non, 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 j'aurai pas le temps, Riadon. C'est très gentil, hein, mais... je sais ce que j'ai comme temps et... C'est pas question de motivation, là. C'est question de pas de temps. Je peux prendre ça pour un full life. Éventuellement. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut taper, là, en fait. C'est comme s'il était immortel et qu'il voulait pas capser, quoi. En vrai, je peux faire ça. Avec ça, ça peut être pas mal. Il va y avoir une esquive. Il va arrêter de faire ça, là? Mais au moindre côté que je vais... Voilà. C'est un topiqueur, même un trio là. Enfin un duo piqueur. Et du coup comme il a pété à côté de moi, il m'a mis une mandale lanculaire. Quelque chose de pépère. 50 000 balles. Ah oui. Ah oui. Un cisaillux piqueur. On va arrêter. Si vous envoyez un dans le nouveau Pokémon Snap, n'hésitez surtout pas à faire une photo de celui-là. Ça a l'air d'être une espèce en voie de disparition. 50 000 balles par contre. J'accepte. Tu m'étonnes qu'il te donnait pas mal de balles juste avant là. Oh bah tiens, on est sympa hein. Mon cul ouais. Oh, je le déteste. Ah, attendez. Il y a deux écoles. Où on monte? C'est notre zone. Où on prend cette merde. Et c'est pas une nouvelle zone. Ok. Donc là, c'est un suivi. Pourquoi pas. On va voir ce qu'il y a là. Vous pouvez vous enfuir sans Ashley. Peut-vous vous enfuir sans Ashley? Ah. D'accord. Donc, bah oui, en fait, c'est logique. C'est logique. Ok. C'est pour revenir avant que les salles... là où on a rentré dans la salle et qui nous a... Comme ça, le monstre, là. Bah, on y va à la suite. Hein. Terrible. Hein. Y a plus rien, là. Il semblait que ça brillait. Avec cette merde, ici. Est-ce qu'on est, chef? Ok. Je sais pas, mais le truc là-haut, ça en plus. Une greu. Peut-être pas mal si c'est du pack. En vrai. Donc on est à nouveau à l'extérieur. Ah, ça commence à ressembler à ce que je me souviens de la fin. Cap Léviathan, tu passes une nuit avec Iris histoire que tu l'as. Que tu l'as Sephiroth. C'est vraiment terrible. Quoi? Il n'y a pas de. Qui tient hein. Peut-être pas mal pour le moral ça. Oh yes. Good luck. Du loot, des balles, des balles, des balles et encore des balles. Oh, c'est si plaisant. Et en plus, il y a une plante jaune. C'est peut-être la last plante. Pour que Léon soit full life. Gros doute, mais... 3 balles dans le dos, ouais. Ah, il était intéressé par ses potes. Comme avant. Attendez, il n'y avait pas d'autres caisses là? Mais si, il y avait d'autres trucs. Avant que catastrophe. Ah si, là.
C'est étonnant que ce truc là, on dirait un coffre-fort. Coffre trésor ou je ne sais quoi. Ah non, c'est des bannettes de balles. Ok. Alors par contre, attendez. Eux ont eu un, ils ont un truc en dessous là. Ah, ok, je viens de piger. Ça, c'est la suite. Et du coup, là-bas, c'est... vas-y, va chercher, il y a peut-être un truc, mais si tu vas jamais, bah t'auras pas. Ah non, juste rien. C'est juste une fucking porte. Ok. Par contre, on a vu, il y a un baril là. Il y a un baril là. Chirimo. C'est peut-être le moment de faire le plein de balles de partout là. Pratique cette petite arme quand même. Hein. Quand le mob est lent et que tu peux lui coller la petite flèche dans le fion là. Moins pratique parce qu'elle te pète à la gueule, mais. Le bleu trahison. Donc tout ça c'est des objets hein, qu'on aurait pu avoir et. Oh, j'ai pas encore vendu d'ailleurs. Beaucoup d'objets qu'on aurait pu fusionner avec un autre objet justement. Qu'on n'aurait pas fait. Il y a le gunner fou. Il y a. Ici des balles de pistolet. Ce qui est bien ce qu'on a. 35 recharges. Il y a des documents. On va aller faire un tour là. Moult fricaille. Du pognon, mon gars. Du pognon. Welcome. Alors, techniquement, j'ai quelques bricoles pour vous. C'est-à-dire, ça, 10 000 balles, et ça. De la YouTube monnaie, exactement. On a trop de soins sur nous, donc il ne vend pas. Bah, on part sur un hub du gun, hein, en vrai. En mode exclusif, donc augmente la puissance de feu et la cadence de tir au-delà des limites de l'arme initiale. 4.5, c'est énorme, c'est quasi autant que le pompe. Ah bah, c'est au moins ça, Sofiane, c'est au moins ça. On passe à 200 balles. J'accepte. Thank you. Come back anytime. Ah là, ouais, là, il y a moyen de partir avec. La note de Klaus, le vieux Sladdler, ne m'a jamais fait confiance. J'avais réussi à enlever Ashley, mais j'ai compris que Sladdler se méfiait de moi car il m'a caché des choses. Vu la situation, j'ai été obligé de lui demander de l'aide. Peut-être qu'il savait depuis longtemps que les choses allaient tourner mal. Comme ça, plutôt, même. Il m'a semblé que son objectif final était différent de celui de Wesker et du mien. C'est le moment d'en avoir le cœur net. Après avoir tué Léon et récupéré l'échantillon, je le mettrai. Je la mettrai dans le même cercueil que Léon et j'enverrai le tout à Wesker. Quoi? Alors, un, tu touches pas encore. Non, c'est pas une marchandise. Hein. Tu te calmes. Tu te calmes et au pire des cas, j'ai un bazook. Et une bazook dans ta bouche, ça fait badaboum. Bon, on grimpe, hein. On grimpe, on récupère le tonneau qui est derrière nous. Parce qu'il y a un tonneau. Je l'ai vu à travers la grille. De l'argent, bien, mais des traces. Et puis, ben, Geronimo, comme on dit dans le milieu. On est toujours sur le 4, sur le 5-3, hein, quand même. Ça, c'est ouf, hein. Oh, fous-toi pas de ma gueule, il y a des ruines de ouf là. Tu vas me dire qu'il y a personne. C'est bien trop calme. Un autre boss? Un vrai boss? Ouais. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need 3 insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess,
You got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Des malades, tous des malades. Est-ce qu'on peut le buter? Parce que moi je le bute. Hein. Oh l'enculard! Mais dégage! Il est fast. Hein. Bon, vous avez compris mon but. Je vous le cache pas. Hein. Il est incroyable. Je lui ai mis une putain de roquette et il a dit non. Impossible. Ah voyez, la roquette s'est cheatée. Ah bah en attendant, ils ont bien pensé quand même. Oh l'enculé. Donc dès qu'il flashbang, en fait, c'est parce qu'il se barre, parce que, on est trop fort. Oh là 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 là, où est ça? Ah, en plus, c'est un puzzle game, son truc. Ah bah super. Bon, en tout cas, il saigne pas comme normal. Hein. Son sang a été vert dégueu. Hein. Et bien sûr. Et t'as fini de tirer du con. Lock là. Ça s'est passé là. Ah, bonjour. Bonjour. Ok, donc en bas, je lui ai genre mis sa pâtée pour chat là. Il en avait tellement pris dans le fion que. Il pouvait se barrer, mais il s'est pas barré. Bon, par contre, il y a un truc, mon gars, là.
Ils sont où les pièces là? Quel enfer, je vais me perdre 8 fois. Dans ce labyrinthe de mort là. Oh là là, mais quel génie. Vouloir m'attendre ici, c'est beau ça. Elle pète tout seul là. Et apprends à viser parce que c'est pas terrible. Bon, je dis ça, je suis plutôt mal barré. J'ai plus de palette. C'est mon ombre. Ok. Étonnant. Voilà une pièce. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. C'est un peu l'inverse quand même, voilà. Like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Donc, on a eu un morceau. La bagarre. Il est fort le front. Ou je suis nul. Dans les deux cas, ça marche. Magnum, ça va être la vie, hein, je pense. Magnum, ça va être la vie. Ah, ok, je comprends. Que le boss de fin, on va se le passer avec 3 balles. D'un côté, heureusement que j'ai EP à fond le gun, je pense. C'est ça qui va nous sauver. Mais les entre-deux de avant qu'ils viennent nous emmerder comme là, je pense qu'il faut pas que je shoote. Alors par contre, la roquette que j'ai dégagée, je suis... Par contre, ça va, le jeu est assez généreux. En plante et en autre. Ok, donc là... Oh, salopard. Mais dégage. J'ai pas vu. D'accord, ça peut escalader ces trucs. Super. HP up. Pas très ruine. Alors ce qui est bien, c'est que ça te fait un plein de stuff de malade. Mais t'as intérêt à one bullet parce que sinon t'es mort. Attendez, là on est en train de faire un siphon fond fond, on tourne en rond là. Y'a un truc là?
Ok, on peut les repérer assez bien. L'antenne est déjà sortie du sol. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Là, il y a le dernier symbole, je crois. Ça. Ça, c'est très bon. On se retrouve contre lui, on sort le magnum. Même si notre pistolet est tout aussi fort, hein, en vrai. Il reste plus que lui, hein. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Là que le bazooka il aurait passé. Witness the power. You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Ah ouais, mais bon. Je dois remettre la vidéo. Quoi? Quoi? Merci la Grappezo pour les beats. Merci énormément. J'ai été nul à chier, ouais. Le prout est validé. Mais je pouvais pas esquiver du coup. Attends, je saute où alors du coup là? C'est le temps que j'ai pour le buter, c'est ça? Non, c'est pas un DLC, on est sur la fin. Je suis mauvais. Ah, si on avait le roquette là, ça aurait fait boum. Bah, Magnum, hein. C'est la vie. C'est tout ce que j'ai à dire. On s'échauffe pour Resident Evil Village, ouais, si on peut dire ça comme ça. Même si le village, on le fera pas direct, mais j'avais annoncé depuis très longtemps que je terminais tous les Resident Evil en live et pour YouTube, afin de revoir le lore en fait, hein, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas forcément dans l'ordre. Et au secours. Il y a un problème.
Ouais, y a pas vraiment de lore, mais faut les refaire, quoi. Tu sais, s'il y aurait un multi sur Village, je pense pas. Mais y a un jeu qui sera en multi, par contre. Y a un autre truc qui sera là. Bon, c'est con parce que je pourrais pas fouiller plus cet endroit. Là, en fait, les 25 secondes, c'est si t'arrives à le défoncer vite, c'est que tu peux looter. Et c'est un avantage, c'est que cette zone, elle avait l'air d'être blindée, de chez blindée. Si j'avais eu Rocket, j'étais con, hein. J'ai vraiment Rocket Instant, alors que je me doutais qu'il y avait un truc qui allait pas se passer comme il fallait. Mais c'était la fin de ce chapitre 5-3. Il en reste plus que 2, le 4 et le chapitre 6, qui est le chapitre final. Hein. Il n'y en aura que un seul. Des bisous, YouTube.